Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Regardez, dans notre aquarium, on a une nation, on les voit là. Il y en a quelques-uns qui viennent. On a eu une naissance d'alevin plati. Donc, on a déjà retiré la femelle, puisque sinon, elle avait son repas déjà tout trouvé. Regardez. Donc, il y en a une bonne vingtaine. Alors, pour l'instant, il reste encore pas mal posé sur le fond. Là, ils commencent à décoller. Ils sont nés hier. Ils sont nés hier. Alors, je suis désolé, il y a une tache. C'est la ventouse d'un autre pondoir qu'on avait avant. Alors la femelle était restée quand même 2 jours. 2 jours, il me semble, on l'a mis, parce qu'on avait vraiment bien détecté quand même le moment. Et elle est restée 2 jours dans le pondoir avant de pondre ses petits. Donc elle nous en a fait une bonne vingtaine. Je vais essayer de vous. Voilà, donc la femelle en question qui nous a fait ses petits alevins, c'est elle. Vous voyez, donc platie orange, hein, couleur assez classique, avec la queue mouchetée de noir, donc vraiment quelque chose de sympa. On attend de voir un peu ce que ça va donner, parce qu'on ne sait pas quel mâle a servi à cette reproduction. Les alevins, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Je vais essayer de vous enlever la gaille pour mieux voir. Attendez 2 secondes. Voilà, donc là j'ai enlevé la gaille. Normalement, vous pouvez bien les voir. Regardez, ils sont bien regroupés ici, là. Alors, il faut attendre 48 heures avant de nourrir ces petits. Donc là, on a des. Un bébé platine, donc je dis une petite vingtaine, donc il faut compter quelques mois avant qu'il soit mature. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît. Et si ce n'est pas encore fait, mettez un joli like. Merci à tous, à bientôt.